Voyons ce que nous avons là. Oh, les amis, c'est trop gentil. Tout simplement incroyable. On est ravis de lire vos commentaires. Ça me donne envie de faire plein de nouveaux bricolages cool. Quelqu'un a dit bricolage cool? On dirait que j'ai raté quelque chose d'intéressant. Je ne faisais que remercier nos téléspectateurs pour leurs gentils commentaires. Tu veux ajouter quelque chose, Sab? En fait, j'adore lire vos commentaires tout comme Su. Quel dommage que je ne puisse pas répondre à tout le monde parce que je suis toujours occupée à préparer une nouvelle bêtise. Qu'est-ce que tu as en tête cette fois, docteur d'enfer? Pourquoi tu as apporté la télécommande? Elle ne marche pas. C'est impossible. J'ai regardé la télé aujourd'hui. Ça fonctionnait parfaitement. Alors comment tu expliques que ça ne marche pas avec mes voitures? J'ai vu ça à la télé! Ils contrôlaient les voitures avec la même télécommande. Je crois que je vois de quoi tu parles, Sammy. J'ai bien peur que chaque voiture télécommandée ait sa propre télécommande. Alors je ne peux pas jouer avec ma voiture sans télécommande spéciale. Ne t'inquiète pas, on va faire notre propre voiture avec une télécommande. Vraiment? Qu'est-ce qu'on attend? On y va, on commence! Bonjour tout le monde! Nous avons décidé de fabriquer notre propre voiture téléguidée avec une télécommande. Rejoignez-nous et regardez les couleurs que votre designer Sam a choisies pour la voiture. Le maestro a choisi ces couleurs merveilleuses. Mais évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel autre design pour votre voiture. Faites preuve d'imagination! Hé, Su! Qu'est-ce que tu fais? Je fais la carrosserie de la voiture. Et maintenant? Je colle la deuxième partie de la carrosserie de la voiture. Pourquoi cette question? Continue, continue. Je m'intéresse, c'est tout. D'accord. Maintenant, nous allons finir de fabriquer la carrosserie de notre future voiture. Hurrah! Il nous faut 3 seringues comme celle-ci. J'en ai fait 3 tubes qui supporteront la construction. Hé, Su, qu'est-ce que tu fais maintenant? M'assurer que la construction est bien solide. Oh, je vois, je vois. Nous devons insérer les tubes ici. Il faut bien faire attention. Nous devons laisser un peu d'espace entre 2 tubes. Ah, Su, qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh bien... Excusez-moi, monsieur. Oui, quoi? Sammy, tu vérifiais si je travaillais pour faire une sieste. Mais pourquoi tu fais ça? Je voulais juste voir ce que c'est que d'être patron. Alors, c'est comment? Très fatigant. J'en ai marre de commander. Écoute, monsieur le patron, pourquoi ne pas découper les roues de notre voiture? Tu m'aiderais beaucoup. Ce n'est pas ce que j'avais en tête, les amis. Tu as fait du bon boulot, Sammy. Je crois que j'ai tout raté. Je suis un mauvais patron. Vraiment? Pourquoi? Parce que j'ai coupé des roues moi-même, alors qu'un bon patron ne devrait rien faire tout seul. Oh, Sammy, un bon chef n'est pas celui qui ne fait que donner des ordres, mais celui qui peut soutenir son équipe sur la voie de la réussite, en parole et en acte. Vraiment? Donc ça veut dire que je suis un bon chef? Je pense que oui. Moi, j'aime travailler avec toi, Sammy. Merci, merci, mesdames et messieurs. Je vous promets de continuer comme ça. Hé, monsieur la vedette, j'ai besoin de ton aide. J'arrive! Qu'est-ce que tu cherchais? Oh, merci, Sammy. Je pense qu'un bon chef est celui qui est toujours là pour son équipe. Bon argument, Su. Je suis curieux de savoir ce que nos téléspectateurs en pensent. Waouh, bonne question, Sammy. Demandons-leur. Les amis, qui est le meilleur chef et quelles sont les qualités qu'ils doivent avoir? Écrivez dans les commentaires. Oh, j'ai hâte de lire les réponses. On va bien fixer le tout. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi voir! C'est une vraie bande de roulement. Je sais, ce sera la Jeep du safari. Une Jeep safari, les amis! Je ne suis pas sûre que notre voiture soit adaptée à tous les terrains. Mais oui, nous allons faire des roues vraiment puissantes. Oh, j'ai hâte de tester notre belle voiture. Oh, moi aussi. La touche finale. J'adore dessiner avec ce pistolet à colle, même si ce n'est pas toujours facile. Voilà nos belles roues. Accrochez-vous bien! La Jeep tout-terrain la plus puissante de YouTube arrive bientôt!
Et nous continuons à travailler avec les roues de notre voiture. Regardez, cette chose devient petit à petit une vraie voiture. Hop, juste un petit peu plus avec précaution. Voilà, c'est fait. On dirait vraiment une vraie voiture. Je peux faire un tour? J'ai bien peur que non. Beaucoup de travail technique nous attend. Vous vous souvenez qu'on a dû laisser un espace entre deux tubes? Voilà pourquoi. Ça rentre parfaitement. Nous avons aussi besoin de plusieurs de ces petits trucs-là, tu vois? Waouh! Ils sont tout petits! Mais ils sont faits de la même façon que les gros. Tu sais, Su, j'ai découvert quelque chose sur toi. Quoi? Tu es une vraie mécanicienne! Personne ne m'a jamais dit ça. Tu crois que je devrais ouvrir un garage? Non, peut-être pas, parce que sinon tu n'auras pas le temps pour nos bricolages. Bon, d'accord. Alors je vais jouer un peu au mécano. C'est l'heure du moteur. Et maintenant, ma partie préférée, travailler avec le moteur. Vous devrez peut-être demander à un adulte de vous aider. Heureusement que Sue m'a moi. Je peux m'assurer qu'elle fasse attention en utilisant les outils. Par exemple, maintenant, fais attention, Sue. Je te surveille. Merci, Samy. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je pense que tu serais très triste. C'est une question rhétorique, Sam. Je n'attendais pas vraiment de réponse. Maintenant, il faut bien coller les câbles. Sinon, ils peuvent se sauver. Encore une fois, parfait. La mécanicienne Sue a accompli sa mission. Je pensais... Oui, Samy? Si tu es la mécanicienne, ça veut dire que je suis le... pilote? Je crois qu'on les appelle des coureurs automobiles. J'ai fait des entailles dans le toit de la voiture avec un cutter. Attends, ça existe les courses de voitures téléguidées? Oui, il y en a même qui ont payé pour ça. Oh, on dirait que j'ai un nouveau passe-temps! Tu es un nouveau slime pilote maintenant? Pourquoi pas? D'accord, mais fais attention, pilote. Tu devrais acheter un casque, tu sais. Mesdames et messieurs, vous assistez à la naissance d'une nouvelle star de la course automobile téléguidée. Vous pouvez me soutenir en mettant un pouce bleu. Tu es adorable. En attendant, notre voiture de course est presque prête. Super! Qu'est-ce qu'on attend? Testons-la tout de suite! Pas si vite, pilote! C'est une blague marrante à mon goût. Ouais, t'es sur la bonne voie, Su. On devrait aussi faire une télécommande. Ou tu pensais qu'une voiture téléguidée était commandée par une télé? Excusez-moi une seconde. Tu travailles depuis trop longtemps, Su. J'ai même eu le temps d'écrire une chanson. Je serais ravie d'écouter ta chanson. Chaque câble veut un ami. Chaque câble n'est jamais seul. S'il vous plaît, au secours. Chaque câble n'est jamais seul. La la la. Ouais, Samy, on dirait que tes chansons sont aussi bonnes que mes blagues. Je comprends rien à la musique, Su. C'est brillant. Écoute. Chaque câble veut un ami. J'espère que Sam oubliera cette chanson quand tout sera prêt. Tiens-toi prêt dessus, c'est un nouveau tube. Bientôt le monde entier chantera cette chanson. Ou du moins, le monde des câbles. J'ai compris. Ça ne sert à rien d'essayer de discuter avec toi. Regarde notre belle télécommande. Bien joué, Su. Mais quand est-ce qu'on va essayer notre nouvelle invention? Je ne peux pas... je veux dire, nos téléspectateurs ne peuvent pas attendre réellement. C'est prêt, Samy. Voyons voir. Ça bouge. Il bouge. On a réussi. Je vais essayer aussi, Su. Allez, Samy, tu peux le faire. En avant. En arrière. Samy, tu es un vrai bon pilote. Et si on le testait en plein air? Oh, allons-y. Eh bien, faisons un petit test pour notre Jeep. La 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 la. Ouais. Hey,
Il est temps de se dire au revoir, les amis. Je dois signer des autographes pour les fans de la course. Amusez-vous bien et abonnez-vous à notre chaîne. Salut!